necesito encontrarte para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte, necesito encontrarte porque tú te quedaste con todo lo que yo era mío. Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos. Ya no aguanto el castigo. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. C'est l'heure de faire dodo. Tout va bien? On va voir papa. Allez, on va faire un bisou à papa. Allez, bonne nuit, ma chérie. Allez, viens, mon amour. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Tout va bien. Tiens, ton doudou. Passer une bonne nuit. Allez, il faut qu'on y aille. Allez, viens, viens. Oh. Je sais. Il se fait tard, on doit vraiment partir. Je sais, mais j'ai tellement de mal à laisser les enfants avec la nounou. Mon amour, c'est la première fois qu'on voyage sans eux. Tout va bien se passer, d'accord? Il ne va rien arriver. Ce voyage est très important pour moi. Et que tu viennes aussi. Tu sais que tu es mon porte-bonheur. J'espère t'apporter beaucoup de chance. Bien sûr que oui. Pourquoi on part pas maintenant et on laisse Marcia et Esteban nous rattraper quand ils en auront envie? On peut attendre, on a encore le temps. Je vais chercher à boire. Oh, ma chérie, comme si tu ne savais pas que Marcia avait jeté un sort à ton frère depuis qu'ils se sont rencontrés. Tu dis ça pour plaisanter, mais les fermiers font ce genre de choses. Esteban avait tellement d'options. Et il a fallu qu'il choisisse de l'épouser, elle. Et quand tu parles d'options, tu parles de toi, ma chère amie. Tu vas bien, Emilia? Vous savez, c'est la première fois que je voyage en étant enceinte. Et j'ai peur de me sentir mal pendant le vol. Non. En plus, j'ai vraiment été extrêmement stressée. Non, mon amour, tu es dans cet état depuis que tu sais que tu es enceinte. Tout va bien se passer. J'ai été stressée, tu sais, vraiment. Mais oui, oui. Je vais boire un verre. Merci. Merci, merci. Détends-toi. Moi non plus, je suis pas d'accord. Je comprends pas pourquoi on doit être en train de les attendre. Alors qu'on aurait pu y aller chacun de son côté. Je suis d'accord avec toi, on a suffisamment attendu. C'est idiot de rester là à attendre qu'ils s'occupent des morveux. Un whisky? Est-ce que tout va bien? Oui. Bien sûr. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Santé. Santé. C'est pas trop tôt. Ils sont enfin descendus. On était sur le point de partir sans vous. Oh, excusez-moi, c'est parce que j'ai vraiment eu du mal à dire au revoir à mes petits monstres. Je comprends complètement. Oh, moi aussi, j'ai dû laisser mon petit homard à la nounou et c'est pas facile. Je pars pleine d'appréhension. Le but, c'est de rassurer Marcia, pas de l'inquiéter encore plus. T'en fais pas, Marcia, tout ira bien. On va y aller? Oui, allons-y. Allons-y. Désolé. Tout le monde est d'accord de se retrouver plus tard pour finaliser les détails avant la réunion avec les investisseurs? Parfait, je vais aller préparer le dernier rapport financier. Non, 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 quoi? Ne compte pas sur moi, hein? Jusqu'à l'heure du dîner, vous ne me voyez pas. Comment tu peux être un associé de l'entreprise avec ce comportement? Les filles, allons faire le shopping! Oh oui, je suis partante. Je vais acheter plein de choses à mes neveux. Laisse leur mère s'occuper des achats. Ce serait pas parce que je risque mon argent? Alors, que vous autres, vous ne le faites pas. Je te laisse te débrouiller. Donato! Oh, t'es pas drôle. Je sais, mais j'ai sommeil. En plus, on a faim. Oui. Bien. Vous êtes prête à dépenser? Je suis déjà. On se voit plus tard. Oui. Au revoir. Maintenant, les filles, on peut allez devoir m'excuser, mais je vous vole Marcia. On a d'autres choses de prévues. On se voit très vite. Esteban, Esteban. Allez, viens, viens, ma chérie. Comme ils sont mignons. C'est comme une seconde lune de miel pour eux.
t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Pour toujours, hein. N'oublie pas. Toi non plus. Jamais, jamais. Toi non plus, espérons que ce voyage en vaille la peine. Ça va être encore un succès pour Esteban. À croire que la chance est avec lui depuis sa naissance. Oh, à quoi tu t'attendais? Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Bueno. Donato, je suis venu ici avec ma femme. C'est vrai, mais tu sais qu'elle peut passer des jours entiers dans la même boutique. Et la mienne est en train de dormir. Santé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire, Nicolas? Je termine ce rapport. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle de notre mariage. On ne peut pas continuer comme ça. Quoi encore, cette histoire? Où tu vas chercher que je voie une autre femme? Ah, c'est le cas? Oh non, qui te dérange? C'est Nicolas, il est en route pour la réunion. Je vais prendre une douche et je vais y aller. J'y vais parce que les investisseurs sont déjà là. On se voit vite, d'accord? Oui, d'accord, on se voit pour le dîner. Je t'aime, je... Oh, je t'aime. Allez. Dépêche-toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'urgence? Avant que les autres n'arrivent, je dois te dire quelque chose de très grave. Quelque chose de très grave? De quoi s'agit-il? Rien. Rien, c'est un truc personnel. Les investisseurs sont déjà là, ils nous ont devancés. Fais-les entrer. Je vais les chercher. On parle plus tard. Entrez, je vous prie. Bienvenue. Entrez. Bonjour. Je vous présente Esteban Lombardo, PDG de L'Homme Entertainment. Bonjour, bonjour. Ça va? Bien, Esteban. Enchanté. Bienvenue. Et comme vous pouvez le constater sur les photos, nous faisons principalement de la production de spectacles. Des spectacles musicaux, mais nous nous sommes aussi mis au concert. Surtout à grande échelle. Toute la structure, l'éclairage, tous les appareils électroniques qui sont à la pointe de la technologie, les plus récentes du marché, nous mèneront inévitablement au succès. Il y a également un tableau où vous pouvez voir l'ensemble des tarifs et des budgets, où les économies sont assez considérables. Et c'est ce qui fait de L'Homme Entertainment ce qu'il est. Chez L'Homme Entertainment, nous savons très bien ce que nous voulons et comment y parvenir. Merci. Merci beaucoup. Je veux bien voir ce tableau. Merci à vous. Oh non. Tu comptes vraiment t'habiller comme ça pour le dîner? Tu n'aimes pas ma robe? Moi, je la trouve magnifique. Bah, c'est pas approprié pour l'événement, non? C'est mignon, mais... sans plus. Ah oui? Oui, je t'en prête une. Suis-moi. Non, quelque non. chose d'approprié que tu vas adorer, tu verras. Oui, vas-y. Non, on va être en retard. Non, tu dois être splendide ce soir. Qu'est-ce que tu crois? Mais vraiment, donc mais tu n'aimes pas du que tout? Oui. La présentation s'est bien passée. Oui, santé, 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 santé. Je tiens à vous féliciter parce que grâce à votre soutien, L'Homme Entertainment va devenir la plus grande société de production de spectacles du monde. Exactement. Elle le sera. Je peux vous l'assurer. Il y a plutôt intérêt à ce que ce soit la meilleure, car ça coûte de l'argent. Croyez-moi. T'en fais pas pour ça. C'est ce qui va se passer. Absolument, bien sûr. Esteban. Tu n'as pas la moindre idée à quel point je t'aime et je t'admire. Toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup. Félicitations, oui, merci, Frangin. Merci. Merci. Félicitations merci à tous. Et merci. C'était un vrai merci succès. Encore. Oui. Allez, ça s'est très bien passé. N'aie pas peur. Oui, allez. Bien sûr. Viens.
bien sûr. Santé. Santé. Voyons voir. Attends, attends un peu. Il faut montrer ton magnifique corps. Mets en valeur la robe. Marcia, tu es vraiment magnifique. Merci. Marcia. Santé. Tu es... Ta beauté surpasse celle de toutes les femmes de cette pièce. Santé. Santé. Oui, Marcia, tu t'en sors vraiment très bien. Je veux dire, passer de vendeuse à femme du monde. Toutes mes félicitations. Oh, et ta robe Santé, est très... C'est savoureux, oui, ta robe est très jolie. Révélatrice. Oh, mon amour. Où as-tu trouvé cette robe? Quoi, tu ne l'aimes pas? C'est Florencia qui me l'a gentiment prêtée. Esteban, s'il te plaît, mon chéri, arrête de froncer les sourcils. Portons un toast. Parce que c'est un soir de célébration. Oui, santé. Allez, à ta réussite. Oui, c'était un réel délice. T'as aimé? S'il vous plaît, je voudrais porter un toast à mes amis d'enfance qui sont maintenant mes partenaires commerciaux. Oui, Bruno, le directeur artistique. Tu t'arrêtes jamais, toujours en train de bosser. Santé. Santé, santé. Bravo, santé. Donato, mon avocat gangster préféré. Je vous assure qu'on devrait tous avoir un avocat comme Donato pour surveiller nos arrières. Une remise pour tous. Qu'est-ce que je vous disais? Un tarif spécial. Nicolas, mon gérant le plus fiable, qui est doué avec les chiffres depuis l'école primaire. Et Santino, c'est le meilleur de mes associés parce que c'est celui qui me cause le moins de soucis. Oh. Écoute, tant que je reçois mon chèque tous les mois, je vais pas te rendre la vie dure. Moi, je dis que Santino nous offre ce dîner. Oh, oui, oui. Impossible, il est trop avare. Non. Je suis pas avare. Je dépense pas comme vous, c'est pas pareil. Il fait jamais de shopping. J'aimerais aussi porter un toast aux femmes de cette table. Emilia, un toast pour toi. Tu ne mérites pas seulement un toast, mais un piédestal. Oh, parce que tu admires le talent de Donato. J'ai pas le choix, c'est le meilleur. Merci. Florencia, parce que ton Bruno est toujours impeccable à la pointe de la mode. Merci. Oui, santé, Rebecca. Parce que tu laisses Nicolas travailler matin, midi et soir sans jamais te plaindre. Santé. Bien sûr, merci. Mon chéri, essaie de ne pas oublier tes sœurs. Non, j'y arrivais. Lucrezia, parce que tu n'es pas seulement ma sœur. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu es ma figure maternelle et je t'aime beaucoup. Santé. Je t'aime. Santé. Inès. Santé, Inès. Merci, frangin. Je t'aime. Santé. Je voudrais porter un dernier toast vraiment important à celle qui est la force motrice de ma vie depuis que je l'ai rencontrée. Elle m'a toujours soutenue. Elle a été ma complice. Elle m'a donné deux beaux enfants. Viens, mon amour. Ouais, viens près de moi. Santé à Marcia. Santé à vous. Bravo. Oui, parce que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Oh, mon chéri. À nous. Santé. Je t'aime. Hé, hey, santé. Bravo. Santé. Bravo. Oh, félicitations. Merci, bravo. Santé. Longue santé. Vie. Santé. À l'homme entertainment. Hey. Santé. Santé. Ringon. Allez. C'est merveilleux. Je t'aime. Félicitations. Je te dis qu'elle sait quelque chose. Je l'ai vu sur son visage. Non, tais-toi. Arrête. Pourquoi il était si surpris? Calme-toi, détends-toi. Et si jamais... Hé, Nicolas. Hé, viens boire un verre. Maintenant, on additionne ça. Tu as vu? C'est super. Je m'en sors bien. C'est tout. Le blackjack est plus amusant que la roulette. À vrai dire, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je sais même pas si je m'en sors bien. Je suis pas très doué pour les explications. Tu t'amuses beaucoup pour quelqu'un qui ne comprend rien. Mon amour, je suis fatiguée. Je vais appeler Gloria pour voir comment vont les enfants. Tiens, d'accord ? Prends ta veste. Je vous laisse continuer à vous amuser. Je vais rester un peu plus. Embrasse-les. Et bien sûr, évidemment. Bien. Excusez-moi. Rentre bien. À plus tard. Je fais encore une partie et je vais me coucher. Ah non, ne fais pas ton rabat-joie, Nicolas. Tu sais que j'adore jouer. Ma femme s'en va et tu pars immédiatement. C'est suspect, non? Arrête tes bêtises, Esteban. Sérieusement, il faut qu'on parle tous les deux, c'est urgent. Eh ben, vas-y. Nicolas, s'il te plaît, maintenant, tu es sérieux? On ne peut pas simplement profiter du moment présent. S'il te plaît. Pourquoi m'as-tu amené ici? C'est bon, on en parle demain, mais sans faute alors.
Je vais au bar. D'accord. Dis-moi, Rebecca, tout va bien entre vous deux? Mieux que jamais. On joue? Bien sûr. Allez. Je ne peux plus supporter cette situation. Soit tu lui dis, soit je le fais. Mais quel imbécile, je l'ai supprimé! Emilia, Emilia, tu vas bien? Tout va bien, ma belle. Tu m'as fait peur. Tu vas quand même pas aller te coucher si tôt, hein? Allez, allons boire un verre. Non, 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 merci. Comment ça, non? Et tu vas prendre le risque de manquer l'opportunité de vivre l'expérience la plus excitante de ta vie entière. Santino, ne te méprends pas. Tu veux que je dise à Esteban que tu fais le malin avec moi? Oh, et faire perdre le seul associé qui injecte de l'argent dans l'entreprise de ton mari. Non, ne les réveille pas, Gloria. Laisse-les dormir. Oh, mes amours. Lucia a beaucoup pleuré ou pas? Tant mieux. Gloria, je te fais confiance, d'accord? Je te confie mes amours. J'ai hâte de les voir. Très bien, on se voit très vite. Au revoir. T'es pas assez stratège, mon cher. De quoi tu parles? Des intentions que tu as envers Marcia. Comme c'est amusant. Alors que toi, t'as pas eu de chance. D'autres aussi. Ah, j'en peux plus. Je bois un whisky et je vais dormir. Je laisse ma femme jouer jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Oui, s'il vous plaît. La journée a été très intense, Nico. Moi aussi, je vais me coucher. Et pour moi aussi. C'est une fin de journée. Merci. Je dois te parler avant de me tirer une balle. Je n'en peux plus. Chambre 208. Ah! Non, Nicolas! 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 Non! Nicolas! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a tiré dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui? Dis-le-moi, s'il te plaît! Sécurité! Il y a eu un autre coup de feu! Nicolas! Nicolas! S'il te plaît, réveille-toi! Nicolas! Nicolas! Dis quelque chose! Lâchez-moi! Vous m'emmenez où? J'ai rien fait! J'ai rien fait du tout! Lâchez-moi! Marcia, qu'est-ce qu'il y a? Où vous emmenez? On arrête cette femme! Elle a tiré sur un homme! Non, non, quoi? Je n'ai tiré sur personne! Non! Aide Nicolas! Quoi? Aide-le, comment ça? Stéphane, attendez, écoutez-moi! S'il te plaît.
s'est passé quoi? Un meurtre de sang-froid a été commis. Avec lequel le défunt et la femme qu'il a abattue voyageaient. Je veux tous vous voir au poste de police. Nicolas ! Nicolas ! Nicolas ! Oh non ! S'il vous plaît, allons-y. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non ! Allons-y, s'il vous plaît. Non, 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 non. Calmez-vous. Non, non, non. Vous pouvez avancer. Non ! Non ! Donato, appelle le meilleur avocat que tu connaisses. Je dois parler à Marcia. Elle est incapable de faire ça. Je m'en charge. Bruno, fais ce que tu peux pour arrêter la presse. Il faut pas que ça s'ébruite. Et moi, comment je peux t'aider? Esteban, fais-moi sortir d'ici! Mon amour! Mon amour! Esteban! Je veux savoir ce qui s'est passé, raconte-moi! Je comprends rien! Je ne pense pas que tu sois capable de tuer Nicolas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas est mort. Et tu es la principale suspecte dans sa mort. S'il te plaît, explique-moi ce qui s'est passé. Je comprends vraiment pas, explique-moi! Oh non, non, moi non plus, je ne comprends rien! C'est un cauchemar. Fais-moi sortir de là, s'il te plaît. Fais-moi sortir, Esteban. Tu faisais quoi dans sa chambre? Pourquoi t'étais seule dans sa chambre? En robe de chambre? Non, non, n'imagine pas des choses qui ne sont pas arrivées, mon amour. Laisse-moi te raconter, laisse-moi t'expliquer. Tu te souviens, quand tu étais au casino, je suis allée dans la chambre, j'ai commencé à me changer. Et à ce moment-là, j'étais en train de me démaquiller quand j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était Nicolas. Il a dit qu'il voulait me parler d'urgence. Et il a dit... Enfin, il m'expliquait qu'il voulait se suicider. Alors j'ai eu peur et ensuite, je l'ai appelé, mais je suis tombée sur son répondeur. J'ai couru jusqu'à sa chambre et c'est tout. Et quoi? Non, non, je peux pas croire que Nicolas veuille se suicider. Non, non, ça a pas de sens. Pourquoi il t'a appelé toi? Pourquoi il m'a pas appelé ou appelé l'un d'entre nous? Pourquoi il t'a appelé toi et ne m'a pas appelé moi? Eh bien, je ne sais pas. Je n'en sais rien, mais à ce moment-là, je courais quand j'ai entendu un coup de feu. Nicolas! Non! J'ai eu tellement peur. Quand je suis arrivée, Nicolas était sur le sol, plein de sang. Il voulait me dire quelque chose, mais je n'ai pas réussi à savoir. Je n'ai pas su ce que c'était. À ce moment-là, j'ai senti un coup sur ma tête. Je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, les gardiens m'emmenaient déjà. C'est là qu'on s'est croisés, tu te souviens? Tu te souviens qu'on s'est vus? C'est là que je t'ai vu, mon amour. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je te jure que je suis innocente, crois-moi. Je t'en prie, Esteban. Je suis en train de te dire la vérité. Tu me connais, mon amour. Tu sais que je te dis toujours la vérité. Je te jure sur la vie de nos enfants que je suis innocente. Je te le jure. Je ne l'ai pas tué. J'ai absolument rien fait, Esteban. Necesito encontrarte.